Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, et puis je vais pas tout lire non plus. Déjà que j'ai l'air d'un fou à parler tout seul. Ça m'aide un peu à passer ma folie de voir la vieille mourir. Oh putain. C'est bon, il est parti. Je préfère quand même rester accroupi. Se pencher dans les cours. À quoi, cette espèce de larve? T'as patrouillé dans la cour? Non, non, pas encore. Faut que j'aille signaler la fuite de la chaudière qu'on a eue hier. Oublie ça, va plutôt faire ta ronde. Un rapport, c'est mauvais pour nous deux. Ouais, j'y vais. Par lequel commencer? Celui-là, je pense. C'est peut-être là. Attention. L'exécution de demain est réservée au personnel affecté à cet événement et aux dignitaires autorisés. Non, il vient voir. T'as dit que ta sœur avait quel âge? Va embêter quelqu'un d'autre. Il y a toujours lui là-bas. Non. On va passer par là. Dans cette pénombre là. T'as un moment t'as jamais appris que c'était pas bien d'insulter? Attention, l'accès à l'aile d'isolement est interdit aux équipes d'entretien, sauf accompagné par un officier de la garde. Toute escorte doit faire l'objet de... Je peux pas laisser vivant. Une semaine à l'avance. Je ne peux en laisser aucun vivant. Question de principe. Hein? Fais me faire opérer moi, faut que je fasse vraiment attention. Mes techniques sont pas assez perfectionnées. Corvo doit être exécuté demain, c'est ça? Ouais, mais il faut que je sois prêt aujourd'hui. J'ai hâte de voir sa tête tomber. N'y compte pas trop. Tout le monde l'aimait pas, mais moi si. Par les superviseurs pour des histoires de magie noire. Pas maintenant. Attention, l'exécution de demain est réservée au personnel affecté à ces événements et aux dignitaires autorisés. Il est là! Tiens, prends ça! Je commence vraiment à devenir... Faut que je me calme. Faut que j'arrête d'en tuer autant. Fermez la porte. Allez, allez, allez. Jamais sprinté aussi vite de ma vie. C'est froid.
L'eau est froide. Combien de gens il a tué en s'évadant du bagne? Enfin, quelques gardes de plus. Corvo, si vous lisez cette lettre, cela signifie que notre plan a fonctionné et que vous êtes échappé de Cold Bridge. Un de nos contacts a caché des armes pour vous quelque part dans les égouts. Récupérez le matériel et trouvez Samuel. À l'endroit où ces tunnels se jettent dans le fleuve, il vous amènera jusqu'à nous. Un ami que vous rencontrez bientôt. Qui est Samuel? Ta ferme! Regarde ça! Quelqu'un est venu ici. Le gang de Bottle Street, peut-être. Non, s'il vous plaît. Il va y avoir des pièges dans les parages. Je veux bien que des gens meurent, mais... Bien que des gardes meurent, mais pas de cette façon. Oh. Oh, c'est horrible. Satan, une bête. Elixir ou pas, quand ils sont en mode, ils deviennent plus dangereux que... Oh putain. Oh putain. Non. Vraiment dangereux les échos, notant. Paix à votre âme. Ils sont pour rien, eux. Putain de merde. Je vais aller là. Putain, ils sont pour rien les citoyens là-dedans. Tout ce qu'ils veulent, c'est un peu d'élixir pour survivre, quoi. On n'est pas censé charger les cadavres sur les chariots qui vont au quartier inondé? Si, mais c'est trop loin. Et je sais pas toi, mais moi je veux pas choper la peste. Bah, on n'est pas protégé par l'élixir? Qui sait? En tout cas, balançons-les ici. Mais allez. Je déteste ça. Ils sont peut-être un peu proches là, non? C'est bon. Votre attention, citoyen de Dunois. L'assassin Corvo. C'est bon, on monte. Coupable du meurtre de notre impératrice bien-aimée. Ah, putain, ça monte dans les bras, hein. Tient du trône. C'est temporairement soustrait à sa détention. De braves agents de l'État sont morts en tentant de l'arrêter. Il doit être capturé à tout prix. Même je peux même pas me saouler. Je connaissais déjà ça. On l'a déjà vu. Il y a quelques années. On va en garder une avec nous de bouteille quand même. On ne sait jamais. Attendez. Attendez un peu. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver de beau ici? Des cartouches incendiaires, ça peut toujours être bien. Même si j'ai pas encore d'arbalète. Je vais pas laisser une bouteille ici. Si. Toujours être utile pour démorcer des pièges. Ça me fend le cœur. Salutations Corvo, ou devrais-je dire protecteur. J'ai bien compris. Une arbalète. Et ma lame. Ça c'est bien.
vous l'avais dit qu'elle servirait. C'est bon, ça a pété. Ouais. Tu voudrais dire que ça se trouverait ici? Ah, 451. 4... Écoutez, ils sont sûrement morts. Et les morts n'ont plus besoin de ça. Je ne laisserai pas filer, chef. Parce que tu crois que tu fais le poids? Seul face à lui, t'as aucune chance. Mais je fais quoi s'il n'y a personne d'autre dans le coin? Essaie de faire du raffut en mourant. Et tomber un truc si possible. Crevard. Vous êtes prêts? Je voulais pas le tuer lui. T'as vu quelqu'un avec des symptômes? Toi je t'épargne. Non. Encerclons-le. Je veux pas vous tuer. Arrêtez. Non. Je... Je veux pas. Arrêtez. Samuel. Et je travaille pour des gens bien qui aimeraient beaucoup vous rencontrer. Ils ont dit que je vous trouverais là, mais j'ai encore du mal à y croire. Je vais vous conduire à eux. Bon, c'est pas loin d'ici, par le fleuve. D'accord, l'ami. Samuel, c'est donc toi. Alors voilà. Très bien. Dire quelque chose entre le RP, mais voilà. Je reconnais cet endroit. Voici le pub Hound Pits, fermé au public tout comme la moitié du quartier déclaré sinistré par la peste. Nous sommes juste sous le nez du Lord Régent. Et il ne se doute de rien. Je me disais bien, je connaissais ici. Si quelqu'un découvre ce qu'on fait ici, la garde va débarquer l'épée au poing. Avec votre évasion, le Lord Régent va mettre la ville à sac pour vous retrouver. Je vous emmène voir l'amiral Havelock et le reste des loyalistes. L'amiral est un homme plein de ressources. Si quelqu'un peut vous aider à retrouver cette petite Lady Emily, et la... Désolé, je buvais un coup, Samuel. Faut bien boire. Attendez. J'ai envie de faire ça depuis longtemps. Ah, mais c'est quoi ça? Salaud. Quand même. Alors en fait j'en profite maintenant. Après il y aura du dialogue, du coup je vais vous quitter là maintenant. Du coup je vous dis à la prochaine, c'était Wagnon pour Bolossus Chronicles.